dirait que je dois d'abord aller au marché aux poissons. Eh ben vas-y mon grand. Je ne me souviens même pas quand j'ai vu Cécile, le lion de mer, pour la dernière fois ici. Alors, on a... Les autres ont peut-être abandonné tout espoir pour cette ville, zones, mais pas moi. Dans cette zone-là. On a donc des ampoules allumées. Il faut que je me cache, sinon ils vont prendre un misère. Joli tir! Regarde ces crétins d'oiseaux! Laisse-les tranquilles! Pourquoi? Ils sont débiles! Parce que je te le dis! Ah! M'oblige pas à te casser ta tête de rat! Je ne saurais même pas casser un œuf! Hé! Arrêtez ça, vous deux! Vous avez entendu? Encore des ampoules. J'imagine que je dois commencer par là. Ah oui, je me souviens de celui-là. Très bien. De quoi? J'aurais raté une ampoule? Oh, j'ai loupé un coin. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon ami? Déjà, il faut commencer avec de l'herbe. Cette ligne est allumée. Et maintenant? Pas ce truc ténébreux, hein. Ah oui, non. Moi non plus. Ensemble, on peut peut-être le nettoyer. Il veut un feu. L'ami veut un feu. Alors on lui fait un ça, feu. Ça, pas vrai. Il veut des pissenlits. Bah, on va lui faire des pissenlits. On va lui en faire des grands. Pissenlits. Il n'y a pas grand chose, hein. Je vais lui donner une pomme, comme ça il va avoir. Tiens, l'ami. Non, ça se nettoie avec de la super peinture. Mieux comme ça. Ça, cette usine de sardines n'aura jamais été aussi belle. J'ai même pas fini. Voilà. Ouais, tu veux faire une petite partie, mon ami? Qui veut jouer? Ok, donc là ça s'est fait. C'est quoi ce truc là? Ça a l'air d'être. Des étoiles, je sais pas. Ou pas. Bref. On était déjà partis à ce moment-là. Hé! Hey, par ici! Là, je vais lui demander de brûler du coup ce qu'il y a derrière.
pour aller voir s'il y a des choses un peu là. Non, il y a rien. Donc là, je vais rentrer. De la super peinture ? Avec joie ! Oh non, encore ces crétins ! Il faut que je passe. Et si je montais sur les toits ? J'ai envie de péter la fille. Zut, il me faut cette page. Je pourrais les en éloigner. Hé ! Venez me chercher ! Tu sais même pas dessiner ! Bah merci, c'est gentil. Tu vas voir quand je t'aurai coincé, minable ! Le mec, c'est un ninja minable ! Compris. On y va. Essayez de m'attraper ! Il nous fait passer pour des nuls. Je le tiens ! Merci. Il est où là-bas ? Quel genre de débile court partout avec un pinceau géant ? Et c'est moi contre un idiot ! On va t'attraper ! Oh, tu vas pleurer ? Je on va lui un donner peu. Une nouvelle leçon ! J'ai la nouvelle leçon ! Insaisissable. Où il est passé ? Eh ouais. Il m'aurait pas, hein. Ouais, d'accord. Super. C'est ce que je vais faire. Merci l'artiste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Matou. Salut, mon petit chat. T'aimes ça ? Non, moi je t'aime pas. C'est un chat ou un chien ? C'est un chat. Tu veux encore des caresses ? Non. Waouh ! Je suis par ici. Je suis par ici. Et c'est reparti. Comme j'ai dit, on récupère un peu. Il y en a une là-bas. Batteur ! Il faut anticiper n'importe quel coup, Froggy. On va les appeler. C'est la brigade des crétins. Allez, mais je les provoque aussi en même temps. T'es qu'un gros lâche. Oui. Reste planqué. Ouais, ça vaut mieux pour toi. Quand on te retrouve, t'es mort, poulet. Eh oh, l'harcèlement. C'est que tu es dans le coin. Ah, laissez tomber. Ça va, mon petit cousi. Chargé en super peinture. Wahou! Hop. Faudrait que j'aille là-haut. On va aller là, on va monter comme ça. Je vais choper cette... Ce vieux panneau mérite une remise à neuf. Hop là. Et go, on va... Alors, donc, on a ces plantes-là qui sont ici. Le tour est joué.
pile comme il faut. Ça correspond. On a du pissenlit là ? Beaucoup mieux. Bon, ça n'a pas marché. Ah, ça y est. Il me faut le bon motif. Ensuite, on a une petite tranche d'arbre. Ça n'a pas l'air de marcher ici. C'est pas le bon motif ? C'est pas le bon motif, on l'a pas ce motif là. Tant pis. Mais ça, j'ai. Ça correspond. Je suis un peu deg, j'ai pas la souche. Où est-ce que je... Où est-ce qu'elle pourrait être ? C'est quoi ça ? Ah, c'est là-bas, il y a tout un truc qui se dégage. Ok, donc moi, je vais essayer de trouver l'autre... Wouhou ! L'autre feuille. Purée, ils sont partout. Oh mince. J'avais pas vu. Je l'ai eu. Yo, sur le cam. Donc ouais, le jeu c'est Concours de génie. Et t'as loupé 46 minutes. Enfin un peu moins. C'est pas grave. Ça fonctionne pas. Les motifs doivent correspondre parfaitement. Ben oui, ben c'est ça, arrête. Partir. C'est eux les sales gosses. Hé hey, je suis par ici. Oh non. Et tu vois, ils m'en veulent. Ils marcellent un peu, tu vois. Je vais la faire, cette chief molle. Et ouais, je viens de les provoquer au calme, mais y'a quoi. Mais attrapez-le. Il est plus rapide qu'il en a l'air. Non, mais chopez-moi ce grenade. Oh. Ah, allez, attrapez-le. Tu vas souffrir, vieux. Perdu. Tu vas rentrer chez maman. Et ils m'ont volé mon goûter. J'avais un sandwich avec du beurre de cacahuète et de la confiture. Tu connais, les gens ils kiffent ça apparemment. Et ils me l'ont jeté dans l'eau. Voilà, je suis dégoûtée. D'ailleurs, les petits bruits là, on dirait des paix et ce sont des monstres. Personne pour m'aider ? Lui, c'est un monstre que j'ai créé. Ça devrait rendre super bien. Donc les monstres rouges en fait sont des monstres du feu. Quand tu vois là, je dessine. Et en fait, pour la postérité. Je dois bouger, tu sais, avec la manette pour dessiner. C'est-à-dire que là, la forme, c'est la... Je bouge avec la manette pour dessiner cette forme-là. Tu vas me faire éternuer. À tes souhaits. Ah oui, du coup, alors, on a... En fait, ils ont aussi déchiré nos pages et du coup, je dois les récupérer un peu partout. Là, par exemple, il m'en manque une 12e. Pour ce motif. Ensuite là il y a le motif électrique, là je l'ai pas, les champignons tout ça j'ai pas, la neige non plus. Par rapport aux monstres, je peux créer 18 monstres différents, enfin avec une base différente on va dire. Par rapport aux attributs, au niveau des cornes, j'en ai 12 à trouver. Au niveau de la queue, j'en ai 12 à trouver. Au niveau des oreilles, j'en ai 12 à trouver. Au niveau des accessoires de tête, j'en ai 12 à trouver. Des chapeaux, 12 à trouver, et voilà.
Donc là, il y a un journal intime. Je vais le lire. Oula, c'est long. Eh bien, je m'attendais pas à une telle journée. Pour commencer, ces brutes ont déchiré mon carnet de croquis et m'ont envoyé au phare hanté. J'avoue que j'avais un peu peur. C'est ce que j'ai dit. Mais finalement, j'ai rencontré Luna, trouvé un passeau magique et obtenu le pouvoir de rendre vie à Denska. Comment ? En me débarrassant de toutes ces ténèbres violettes dégoûtantes et en créant de superbes œuvres d'art partout. J'ai hâte, de m'y mettre. Ensuite, 2. Le marché aux poissons. Le premier endroit que je dois nettoyer, c'est le marché aux poissons. J'ai passé tellement de temps ici quand j'étais petit. Je parie que mes vieux dessins à la craie sont encore là. Autrefois, le marché aux poissons bourdonnait de vie et d'activité. J'aimais bien le chahut ambiant, même quand on marchait sur les pieds. Et c'était toujours un plaisir d'aller voir Cécile, le lion de mer, quand il était en ville. Puis la marée noire a tout détruit. Les gens sont vite partis refaire leur vie sur le continent. Même Cécile semblait avoir abandonné les lieux. Pas moi. Mes génies. Donc ces monstres, ils appellent ça des génies. Je n'en reviens toujours pas. Ces génies sont incroyables. Comme j'aimerais comprendre ce qui rend tout ça possible, comment ils sont devenus vivants. En plus de ça, ils sont super utiles. Ils brûlent les obstacles. Ils me donnent de la super peinture quand j'en ai besoin. Sans eux, je ne pourrais pas rendre vie à Denska. Et Splotch, au cas où tu viendrais fourrer ton nez dans mon journal, toi aussi tu es plutôt cool, d'accord ? Splotch, c'est un petit monstre que j'ai derrière dans mon sac à dos, qui me donne du coup la super peinture aussi. Et il m'indique quand il y a un génie à créer aux alentours, en créant. Les brutes. Si seulement il n'y avait pas ces brutes. C'était déjà agaçant quand je traînais juste à Denska sans rien demander. Mais maintenant que j'ai vraiment des trucs à faire, c'est encore plus pénible. Le pire, c'est Chuck. Un gros balourd qui peut pas s'empêcher de donner des ordres. Je crois qu'avant, Béatrice était leur chef. Mais Chuck a pris sa place. Jenny est sa petite sœur. Et elle est presque aussi brutale. Zack est sûrement le plus bête. Mais c'est aussi le plus méchant. Et Froggy, on dirait qu'il se fait discret et suit le mouvement. S'il s'en prenait pas à moi, il s'en prendrait probablement à lui. Je dois garder mes distances, peut-être que je devrais rester sur les toits quand ils sont dans les coins. Dans le coin, pardon. Ils ont pas l'air très bons en escalade. Vous m'aurez pas. Ah, j'aime trop Pompkin. Hein, merci. Ramène-toi. C'est encore moi. Pas cette fois. Encore ces plantes. Donc là, tu vois, il y a les ténèbres, les ténèbres, par exemple. Mais en pire. Et voilà, t'as les plantes. Je doute que la super peinture arrive à percer ce truc. Et tu vois, je suis à deux doigts de crever quand je vais dessus. Donc il va falloir que j'allume les ampoules et ça va éclairer la zone en fait et libérer en fait l'endroit des ténèbres. Oui. Et oui, il ne sait pas nager. Super sale. Voyons si je peux repasser une couche sur ce vieux panneau. Tour est joué. Tu me fumes. Pile comme il faut. Pile comme il faut, j'ai un peu fait trop gros, hein, mais bon. Qu'est-ce rien que... rien dire. Ah, ça y est. Je dois me débrouiller pour que ça corresponde. Beaucoup mieux. Et là, il y a un petit pissenlit. Le tour est joué. Et là aussi. Fini. Et voilà. Le fameux saumon en boîte de Denska. Jamais réussi à aimer ça. Tu vois, j'ai... Oula, j'ai failli tomber. Tu vois, j'aime bien les décors et tout. Enfin, c'est la couleur, la revivance. J'aime bien ça. Ah là, tu vois, tu entends mon petit jingle là dans le sac. C'est
je sais plus comment il s'appelle. Et donc là, Splotch, oh, sympa. On va créer un... Waouh, t'es magnifique. Cherche pas, vieux. C'est trop loin. Je vais essayer de l'approcher. Hein ? Bravo ! Ouais, bien joué. Allez ! Ah, il veut des papillons! Il veut des papillons dans la vie! N'éternue pas, hein! Tiens, mon ami! Butterfly! Je pouvais toujours chercher à côté, hein, j'allais jamais trouver. Allez, direction le marché aux poissons pour peindre un chef-d'œuvre. Allez, on va peindre un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Ah, il y a une carte au-dessus. On va peindre un chef-d'œuvre. Hop. Oh, 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 oh. Wesh, mon perso il a fait n'importe quoi. Allez. J'ai failli tomber à l'eau. Oula. Voilà du beau travail d'équipe. Et c'est parti. Hop. Hi. Hello. C'est l'heure de rendre le port de pêche plus beau qu'il a jamais été. Allez, on veut un feu. Peut-être même il veut... qu'il aura à nouveau la visite de Cécile le lion de mer. C'est ce que tu voulais. Terminé, ouais. Et voici Luna. Luna? Je savais pas que tu pouvais venir jusqu'ici. Je croyais que tu étais... bloqué dans le phare. Oh, tu ne peux te rendre que dans mes chefs-d'œuvre. T'es une vraie petite étincelle, toi, hein? Ok, alors on y va, Spark. On a encore pas mal de peinture à faire. Cette fois-ci, il a changé de nom. Et on a Spark. Cette fois-ci, on aura des génies électriques.